Salut les amis, aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Ah super. Voilà. Ah chef, oui. Chef, oh, on n'arrive pas à démarrer. Ah, je peux démarrer. Faut rien leur confier. Ah, quand on sait faire. Ah, après pour démarrer. Alors, ça c'est vraiment bizarre. Non, tu t'occupes de rien, t'accélères, tu freines. Ouais. C'est un frein aussi là. Et là, je suis en neutre là. Elle avance? Non. Non, elle est en neutre. Pourquoi? Parce qu'il a la béquille. La béquille. Alors attends. J'ai essayé l'Africa. Gaz à table. Parce qu'il faut mettre le neutre. Oui, mais tu vas jamais le faire. Non. Tu te mets bien dans ta tête. Il m'a expliqué, Charles, j'ai essayé l'Africa. Ouais. D'accord, chef. Voilà. Là, t'es en dry. Ouais. Tu laisses appuyer, tu pars en sport propre. En fait, t'as 30 de sport. D'accord. Ouais, puis passer, descendre, monter. Ouais. Ah, franchement, au début, faut s'habituer. Ah, fais gaffe. Ah, c'est ton téléphone, ça? Ouais. Merci, Amandine. Bah, merci, Amandine. Alors là, je suis en train d'essayer un... le XADV de chez Ondor. C'est la première fois que j'essaye un scooter. Il n'y a rien à serrer, c'est horrible. C'est vraiment sympathique. Mais on va voir ce que ça vaut en live, on va dire. Parce que ça fait vraiment bizarre de conduire ça. Enfin, il n'y a rien entre les jambes, c'est juste... Ouais. Parce que c'est une boîte auto... comme les motos avec les rétro. Enfin, j'ai essayé. Ah, pas mal. La Africa tout à l'heure, on est en boîte auto. Et là, ça ressemble drôlement à la boîte auto de l'Africa. En fait, c'est le même système. Et c'est vraiment sympathique. Parce que bah, tu passes les vitesses ici, en descendant et en accélérant. T'as différents modes aussi. C'est vraiment agréable. Ah la vache, ça fait bizarre. Ah, là. Ah ouais, je suis en A2 en fait. J'avais complètement zappé. Tu peux couper la tarcole si tu veux. Bon, la partie conduite, pour l'instant, je peux pas trop vous dire. Mais la partie confort, elle est vraiment agréable. T'as pas trop de vent dans la gueule. Donc c'est vraiment sympathique. Le tableau de bord est vraiment agréable à regarder. Mais par contre, le centre de gravité, c'est différent de la moto. Putain, mais c'est juste... C'est juste différent, ça fait bizarre. En plus, là, elle est en permis A2. Donc pour ceux qui veulent, on va dire, une moto typée scooter en permis A2, c'est vraiment vers quoi faut se tourner. C'est agréable. Après, bon, on va pas se le cacher, c'est pas non plus un poudre de guerre. T'avoines pas avec ça, quoi. Mais il y a du répondant, tu vois. Merci, chef. Bon, comme vous le savez, sur un scooter, il n'y a pas d'embrayage. Donc là, le frein qui est à la place de l'embrayage. Enfin, le frein est à la place de l'embrayage. Donc quand je l'ai pris, ça faisait vraiment bizarre pour m'arrêter. Tu sais, t'as toujours un truc là. Sur l'Africa Twin, j'avais pas le problème. Parce que le parking, le frein parking était vraiment... Je ne pouvais pas y accéder, en fait, avec la main. Et là, c'est... Ça fait vraiment bizarre. C'est vraiment bizarre, mais c'est agréable. Ah, point de gravité vraiment différent. Bon, après, ça, pour ne rien vous cacher, ça se traîne un peu la nouille, hein, pour ma part. Enfin, c'est bien pour ceux qui font de la ville et puis voilà, ceux qui veulent pas se faire chier avec une moto, quoi. Donc c'est agréable, la conduite est vraiment souple. À la reprise... C'est un scout, quoi. Voilà. Hormis ça, il y a de la patate.
Parce que en fait, ce qui est vraiment vraiment perturbant, c'est qu'en fait, avec ma copine, on est en train de chacun de dire le commentaire et on a mis nos intercoms. Donc j'entends des légères paroles. Et ça fait vraiment bizarre. Sincèrement, pour une balade tranquille, c'est vraiment la moto qu'il vous faut. Non, le scooter qu'il vous faut. La bulle protège énormément. Là, à ma hauteur, je suis à 1m69. Je sens pas l'air sur le casque. Donc c'est beau. Tu me diras, je sens pas l'air, on est à 100 dans 100 km/h. Hein. N'espère pas faire des pointes avec ça. Hein. Mais elle peut atteindre, on va dire, jusqu'à 150-160, donc c'est déjà raisonnable pour un scooter. Pour les chevaux, je pourrais pas vous dire. Je sais pas combien je vais en chevaux. Mais là, je vais prendre un peu de distance pour pouvoir rouler un peu. Parce que... Hop. Alors ça se conduit comme une moto. Tac. Au niveau de la prise en main, et des virages, elle est agréable. Mais c'est vrai que ça fait bizarre d'avoir des petits pneus. La sensation est vraiment différente. Je peux sortir le pied comme un kéké, tu sais. Allez, vas-y. Allez, on sort. je rigole. Surtout que c'est en super mode qu'on sort les panards. Elle se comporte très bien. En fait, depuis tout à l'heure, j'ai essayé deux boîtes auto. Et tu t'y habitues vite, aussi bien un scoot qu'une moto, parce que le scoot qui diffère c'est le frein avant ici, le frein arrière, mais sinon ça réagit bien, c'est propre. Il n'y a pas d'à-coup, ça c'est important. Tu sais, quand tu passes d'un rapport à l'autre ou qu'aux caisses, t'as beaucoup moins d'à-coup que quand c'était un sélecteur de vitesse manuel. Donc c'est agréable. Ouais, qui est un petit peu sympathique à Termignoni. Bon, par contre, ça a rien dans le sac. Est-ce que je me vois dessus? Bien sûr que non. Regarde, j'ai un scout. Il en a rien à branler. Mais voilà. Est-ce que je me vois dessus? Bien sûr que non. Hein. Ça va de soi, c'est pas une moto pour moi. Mais je voulais savoir ce que ça faisait d'être sur un scooter en fait. C'est pas désagréable, mais c'est perturbant, t'as rien. Moi qui ai l'habitude de serrer et d'avoir un truc gros entre les jambes. Vous allez me dire, gros, la R6F n'est pas grosse. Hein. Si, le réservoir il est pas mal, en tout cas pour mon gabarit. Mais ça fait vraiment bizarre de rien avoir entre. Après, ça a quoi prendre, je pense, mais ce sera pas le mien. Mais c'est toujours agréable de savoir ce que ça fait d'être sur un petit machin comme ça. La bulle protège vachement. Ah, elle est réglable en plus. Tiens, regarde là. Bon, je vais pas régler en route, mais elle est réglable. C'est intéressant ça. Comme ça, tu peux l'orienter en fonction de ton gabarit. Je remercie Fab Moto pour l'essai. Oh.